Heureux. Ah. Ah bah voilà, comme vous avez pu voir, vous savez ce qu'il en advient de Northgard. Non mais je me suis senti abusé. Je me suis senti abusé. Et comme je sais pas comment faire là, je recommencerai hors stream pour essayer d'y arriver parce que j'arrive pas. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais jouer à Findhook parce que Findhook c'est bien. Voilà. En vrai, ça m'énerve beaucoup. Hein. Ça m'énerve beaucoup le fait de ne pas y arriver parce que je pense pas être mauvais. Et je me suis fait avoir. Et j'ai lu un truc, j'ai vu Seldel, il y avait marqué abusé dans son message. J'ai pas osé aller plus loin. Je pense que je vais avoir des problèmes. Ah là 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 là. Nintendo Switch, bien entendu. Et puis c'est toujours aussi vrai. Parfait. Voilà, tu dis pas ça quand je t'abuse, voilà, parfait. C'est ce que je pensais. Pas déçu. Pas déçu. Bah ça là, regarde. Ah, mes oreilles n'étaient pas prêtes. Ah, mes oreilles n'étaient pas prêtes. On recommence? Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai perdu si comme ça là sans pouvoir rien y faire. Ça me saoule. Ça me saoule. Le bloc-là, je le veux pas. Je vais baisser le son. Vous inquiétez pas. Le son sur la. Sur la Switch. Pouah. Flinty Swick. Eh ouais. Donc j'ai tué le premier boss, hein, quand même, on est au même point que la dernière fois, et puis voilà quoi. On pitonne. C'est quoi Phoenix? La musique est trop cool, oui, mais ils viennent me percer le cerveau. Alors attends, vider. On vide. Votre énergie monte un peu lorsque vous utilisez une arme secondaire. C'est bien ça. C'est bien. Phoenix, à votre mort, vous revenez avec 20 points d'énergie une seule fois. Ok, je prends. Oui, pour l'éternité. C'est vrai. Tiens, écoutez un petit peu. Gravez-vous ça dans la tête pour l'éternité. Sur Grand Story, oui, il n'y a pas de problème. Ça, je sais très bien, bien sûr. Bande spéciale, on s'en fout. On va plus vite. Tout vient vers moi. On tire mieux. L'XP. Et puis de la bouffe. C'est utile. C'est utile. Et c'est quoi X? Comment ça marche? D'accord. C'est... Ok. Y. Parfait. Alors, pactole. On veut du pognon. Et merci pour le loot. Merci Jinul. Effectivement, tu n'as plus d'idée, mais ce n'est pas grave car tu as fait un loot. Et ça, c'est beau. Ah, vous inquiétez pas, hein, je t'en veux pas s'il y a eu moins de loot. Vous inquiétez pas. C'est comme ça. C'est un gax. Est-ce que vous pouvez aller vous faire c'est bon, oui. Vous faire laver les oreilles, bien sûr. Oh, ce petit j'avais oublié qu'il y avait le HD Rumble. Le HD Rumble change tout. Le HD Rumble change tout. Je pense que les gens se rendent pas compte que le HD Rumble change tout. Ils se rendent pas compte. Oh là là. Oh là là.
C'est, je m'amuse là, c'est... L'amusement revient. Je pensais pas que c'était possible. Ouais, merde. Parce que ça serait bien par contre que j'évite de me faire toucher. Ça serait vachement bien. Hop. Ok. C'est une loutre. Comment tu vas? Ah, parfait. Ça tombe parfaitement bien, poteau. J'avais besoin de la map. Ok. Il y a de la bouffe. Ok. À droite. Oh, ah merde. Allez, mais casse-toi. Pardon, bien sûr. Je ne suis pas énervé. Ok. Ok. Mine de rien, parfois tu te fais toucher et tu te dis que c'est pas normal. Tu te dis que c'est le jeu qui est mal fait. Hein. Je vous dirais que oui. Y a une clé? J'ai pas vu ça. Ah, j'ai pas de clé. Ok. C'est bien dommage. Donnez-moi une clé. Bon, et sinon, j'espère que vous avez acheté le jeu quand même. Vous avez acheté Flint Hook, non? Vous l'avez acheté, hein? Vous m'avez pas déçu quand même. Parce que bon, le jeu manque de grappin. Ouais, va dire ça à Pipo Mantis. Ouais. Je pense qu'il va pas te dire la même chose. Hop. Mais il y en a plus? Ah, il y a plus de version boîte? Mais attends, mais ils ont déjà vendu les versions boîte? Oh, les FDP, je pensais que je me suis dit, tiens, s'il en reste 2-3, s'il en reste une, j'en prendrai une. Au cas où, mais bon. Un de suite sur tes conseils. Ah bah, Volchan, écoute, have fun. Merci pour le loot, Snivio. T'as du mal à jouer avec les Joy-Con. Ça, c'est une excuse. C'est comme moi, j'ai du mal à jouer à Northgard. Ça, tu dis ça parce que t'es énervé. Bah oui, mais je dois pas suivre le... Je dois pas suivre le bon compte Twitter. Alors je le suis, le compte Twitter. Je me suis dit, tiens, si ça tombe, je prendrai. Mais voilà. Du coup, j'ai un peu la mort là. Ah, y'a une clé. Or, casse-toi. Jeu de mer. Jeu de mer. Jeu de mer. Jeu de mer. Ah bah les gens sont énervés. Hein. Ça c'est sûr. Ça... Si j'arrive pas à expliquer un problème, c'est que les gens sont énervés. Hein. C'est quoi cette salle nulle? Ah non, il y a un truc. Arsenal. Ouais. C'est Golgoth, comment tu vas?
Exactement. Ah, je perds mes cheveux dès que je suis vénère. Je suis beaucoup vénère. En bas. Eh bien, très bien. Merci, merci de demander, c'est très gentil de ta part. Tu vois, par exemple, là, je suis vénère. Parce que je regarde pas mon environnement. Voilà. Easy. Comme ça qu'il faut faire. Comment ça, je suis énervé. C'est Nono. Ah, pouette, 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 pouette. Oh, j'ai un fond d'écran trop stylé. Il faut absolument que je montre mon fond d'écran. Attendez. Regardez mon fond d'écran trop stylé. Alors. Je sais pas si je pouvais mettre l'image en gros. Alors, regardez mon fond d'écran trop stylé. Hop. Attends. Regardez comment c'est trop stylé. Est-ce que t'as un fond d'écran aussi stylé chez toi? Je ne crois pas. Voilà. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade? Parce que je suis vénère parce que j'ai passé mon week-end sur Paris. Pff, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Docteur, pourquoi t'as fait ça? Faut pas faire ça. J'espère que tu t'en es sorti bien comme il le faut. Des news par rapport au sub goal? Non. Non, parce que je suis encore en réflexion. Il est légèrement réduit, quelle poisse. Devenez plus résistant face aux éléments. Bien sûr, merci merci Ongax pour ton loot. Merci pour vos loots, hein. C'est très gentil de votre part. Pendant que Nimelio est en train de jouer à Splatoon 2, faut que je réinstalle. En fait, je veux faire un truc stylé. Je veux faire un truc stylé pour les... Hop, les subs. Mais j'avoue que là je suis en manque d'inspiration. Juste. Ah mais c'est stylé. Ah bah c'est stylé, c'est pour la bonne cause alors. Sérieux? Il a vraiment fait ça? Poisson-ballon? Poisson-ballon. Ok. 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 Je prends. Non, à gauche. Mais ne t'inquiète pas, Volshan. Là, là avec Nimelia, on est en train d'abord de voir. Non, mais de voir. On va sortir aujourd'hui le nouveau visuel d'un t-shirt qui va sûrement plaire au plus grand nombre. Enfin, on l'espère. Et puis il faudrait bosser sur le boss d'abord. Je pense qu'il faudrait bosser sur le boss avant de faire avant de faire le sub goal. J'ai max de pognon, est-ce que je pourrais l'utiliser si quelque part s'il vous plaît?
Ça serait vachement cool. Vachement cool. Merde. Est-ce que j'ai déjà dit merde? Cet homme joue mal. La suite ne va pas vous étonner. Donne-moi du pognon. Enfin non, donne-moi de la vie. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas dans le bon sens. Ouais, bon. En vrai, ça sert. Allez, on va en bas. Enfin, en bas, à gauche plutôt. Tu sens la baise, hein? Oh oui! Ça donne de la vie. Ah, oh! Parfait. J'ai pas peur. Merde, j'ai pas accès. Ah, ça... Il y a eu un petit coup de lag. Hop, 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 hop. C'est bon, je suis chaud. Je suis chaud. C'est le boss. Je sais pas si c'est le boss, mais... je pense pas. Enfin, c'est le boss du... Enfin, je pense pas qu'on puisse appeler ça un boss, quand même, encore une fois. Je pense que le jeu manque un peu de... d'ennemis un peu chiant, un peu différent. Enfin, je sais pas. Ah. Il manque un petit truc en fait. Ah, il y a une clé ici. Ouais. Il manque un petit truc qui fait que. Qui fait, je pense, qu'il y a beaucoup plus de monde qui jouerait. Parce que, mine de rien, le jeu s'est pas assez vendu. Et je comprends pas. Enfin, il s'est pas assez vendu. Le jeu est beau, il est intéressant, il a été présenté par le grand Atomium quand même. Voilà. Après je suis passé boulevard Voltaire pour acheter des rétro gaming, mais le prix était présent. Ah bah ça, le rétro gaming, et moi ce que je dis, le rétro gaming, c'est sur émulateur. Alors je sais que les gens sont pas d'accord et moi je pense qu'il va me péter la gueule, mais... Mais je dis pas ça pour faire chier en fait. Le problème du rétro gaming, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Et mine de rien, ça coûte beaucoup trop cher. Et au final, les gens qui achètent du rétro gaming ne jouent pas. Et ça, ça me tue. Parce qu'à la limite, t'achètes une console, t'achètes une NES, t'achètes une Super NES, machin, tout ça, si t'y joues. Au final, tout va bien. Mais si tu joues pas, et si c'est pour acheter, tous les jeux de ton enfance, et tu allumes une fois la console et tu joues plus, bah ça me rend triste quand même, moi. Bon, c'est pour ça. Alors Moa n'est pas touché parce que techniquement, ah quoique, il joue peut-être pas à tout. Hein. Il faudrait peut-être que je dise ça. Alors attends, je pense que moi c'est énervé, donc je vais regarder. T'achètes une NES, c'est pour faire NES Mania, ça me paraît évident. Bah bien sûr. C'est trop bien d'avoir ça maintenant. Écoute, je te remercie le jeu vidéo. Faudrait peut-être avoir une logique un peu plus implacable sur le placement des pièces. Enfin je t'en veux pas, hein, mais bon. Alors, il faut vraiment être complètement sensé. Plutôt insensé, non? Qu'est-ce que tu voulais dire?
Il n'y a pas de retro achievement sur console. C'est vrai. À retourner au Japon, ça c'est beau. J'aimerais bien pouvoir dire ça. Un petit 62. Ouais, mais le truc c'est que parfois, quand t'achètes un petit jeu rétro à 70 balles. Bon, c'est rare quand même les petits jeux rétro à 70 balles. Alors, dernier pario. Mega Ball, c'est mort. Allez, on va prendre lui. Je suis sur lui, bordel. Alors attends, c'est quoi le nom du jeu avec un robot qu'on pouvait pas sauter en utilisant des rocket jump à la place? Ah, c'est lui 53 qui a dit ça. Comment est-ce que je lui réponds? Est-ce que je lui réponds et sans être méchant? Comment lui répondre sans être méchant? C'est quand même la question. Je récupère toutes les pièces et c'est pas mal ça. Hop. Du matin chagrin, loose du soir espoir, mais loose du midi envie. Non. Ok. Magnifique. Magnifique. Parfait, parce que ça c'était parce que j'avais trop bien joué. Du coup, il fallait que j'en chie, quoi. Normal. Sinon, c'est pas drôle. Vas-y, réponds. Oh. J'ai peur que les gens ils y jouent. J'ose pas. Pardon. Bon, là, par contre, j'ai max de pognon. Mais en vrai, il faut absolument que je trouve un shop là. Ah mais Tinertia, tu sais ce que j'en pense. Tinertia, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Et on sait pourquoi. Je me suis pris une bombe. N'importe débile, hein. J'ai quand même dit. J'ai pas de clé. Ok. Je sais pas ce que j'ai cassé, mais j'ai cassé un truc. Ce truc est pas bon, bah oui. Alors attends. Alors est-ce que je suis mauvais? La question est oui, avant même de vous répondre. Oh, j'ai eu tellement peur. Non. Bien sûr. Non. Ouais, attends, 2 secondes, mec. Prends un manteau, si tout va bien se passer. Ah merde. Non mais tu fais exprès? Pourquoi c'est difficile comme ça? Non mais sérieusement. PV, hein. Je me fais toucher, je meurs. Merci Uzikiki, merci beaucoup. Tout ça pour une clé. De toute façon, il n'y a rien de mieux que Mirror Maker. Oui, c'est le Gecko. Bien sûr, Mirror Maker, c'est le mieux. D'ailleurs, si un jour vous avez vu un truc mieux que Mirror Maker, c'est que vous deviez sûrement être drogué. Non mais pas le boss maintenant, j'ai 29 PV.
je tiens. C'est bon, je le tiens. Je le tiens, je le tiens. Ceci est une pub pour un petit jeu indé. Lequel? T'as persévéré dans Darkest Dungeon? Non. J'ai pas rejoué depuis. Je te l'avoue. Voilà, ça c'est le boss. Et ça c'est le boss. La base. Alors j'ai une clé. Est-ce qu'on revient en arrière? Oui. J'ai mal au dos. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf comment j'ai mal au dos. Parce que je me tiens mal. Faut mieux se tenir, monsieur. Tenez-vous mieux. Okay. Ah, mais j'ai pas envie de repasser cette zone. Putain, mine de rien. En fait, le jeu est loin d'être facile. Hein. C'est ouf comment le jeu est... pas facile. Ah, oh, tout ça pour ça. On ne se lasse pas de l'or, c'est vrai. Est-ce qu'on se lasse du pognon? Je pense que non. Les gens qui se lassent du pognon, c'est pas des vrais. Ah, suis-je con? Le casser ça. C'est Zerator qui a écrit cette phrase. Oui. Oula. Il y en a plein qui auraient pu l'écrire en vrai. Celdel, est-ce que tu es disponible ce soir? Question importante. Le pire, c'est que par rapport au second chapitre, le premier, c'est Finger in the Nose. Oui. On parle de Fintook, hein. Hein. C'est ça on parle. C'est ça, ouais. Je saurai ta chose. Eh ben, écoute, ça tombe vachement bien. On fera ça en live. La tout libre grappin pour libérer votre ouais. Non. Ah, j'ai pas la map. J'ai pas la map. Baron Von Goo. Ah bah oui, ça sera cop. Oui, il y avait un questionnaire, c'était l'année dernière. C'était avril dernier. Agekori. Bombarder, ouais, bon, bon, on achète tout. Hein. L'acolyte vous donne une bombe après avoir vaincu beaucoup d'ennemis. Vous donne un bonus XP quand vous perdez d'énergie avec le temps. Mais vous perdez de l'énergie avec le temps quand... C'est de la merde, oui, c'est de la merde. Et merci pour le loot, c'est un livre, les gars, hein, défi. Attends, le livre de Gates du record détient le record d'être le livre le plus souvent volé dans les bibliothèques publiques. Quoi? Pourquoi? Oh non! Oh, bravo, 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 bravo!
je joue mieux. Du coup, c'est. On demande à Nivellia de venir. On est d'accord. On est d'accord, Seldel. Ok. Magnifique. Magnifique! Ok. Parfait. Ah là 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 là, ce jeu. Le jeu idéal. Exactement, bien sûr. Ah bah, j'en peux plus. Je pense que ce jeu veut ma mort. Ah oui, ce jeu veut ma mort. Clairement. Là, je pense que c'était clair et net. Bon, alors, une loot, t'as trouvé qui usurpait ton identité ou pas? Pour essayer de changer de sujet. Non, mais je te déteste. Non, mais c'est une blague! Voilà. Et je perds de la vie hein, maintenant. Je perds de la vie parce que j'ai pris la mauvaise Mosca sur ma grosse pioche, bien sûr. J'ai pas envie de mourir. Faut pas le toucher. Donne-moi de la vie. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Parfait. C'est dans ce moment que je me rappelle que cet homme a fait console mania. Ah oui? Ben bien sûr. Et bonjour Rémi, comment tu vas? Tu peux mourir? En vrai? Non parce que bon. Ah parfait, ah, ça va être bien. Regardez le fun. Oh le fun, oh le fun. Ok. Jette moi ta merde. Non mais non mais non mais non. Non, mais non. Est-ce que je rebondis? Ah d'accord, je rebondis pas dessus. Je vais te défoncer. Oh. Ah bah écoute hein. Oh c'est la fin. Trop bien. Ouais, la rétro indé me manque aussi un petit peu. J'avoue. Je dois avouer que la rétro indé me manque.
Mais bon. C'est Gaming Life qui me manque, moi. C'est plus ça. Allez. Franchement, si j'y arrive, bah ce serait bien. Je me dégoûte. T'es quand même partenaire Twitch avec cette chaîne? Laquelle? Là où je suis, oui. Oh non, mais ce boss est infini en fait. Je me rappelle. Non, je me rappelle, c'était beaucoup trop compliqué. Jamais j'y arriverai. Merci pour le follow. Donc là, je l'ai même pas fait mid-bar. On se met d'accord. On se met d'accord. Et en plus je perds de la vie à cause du truc de l'XP là. Hein. Oula, j'ai repris de la vie. Ah oui, mais c'est mon truc 50% de vie quand je meurs. Enfin 50 points de vie. C'est pas fini.
J'ai pris un point de vie. Oh putain, mais c'est ce truc à la con qui va me tuer. Chamallow, tu te rappelles quand je te disais que la difficulté vient des sociales du boss? Bah ouais. Non mais je comprends. Hein. Je comprends. Je suis plutôt d'accord avec toi. Parfait. Safe and right. Des bisous. 170% d'XP, c'est pas mal. Moi, c'est cool. C'était cool. J'y croyais pas. Ok. Bah, il m'a dit que Pikachuyan m'avait dit qu'il y avait joué. Pourquoi il y est pas? Je le vois pas. Alors, c'est quoi ça, les légendes? Ah, c'est le, c'est ce que j'ai chopé. Merci pour les loot, achat sapin, merci. Merci Oniseb. Ah, le pire. Merci pour ton moelle au GG. Alors. Ça, c'est juste des légendes, juste pour dire quoi. Ok, ah, c'est juste pour dire. Alors. Qu'est-ce que je peux acheter? Ah bah. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un peu plus. Ok. Flatter augmente votre XP. Non mais je me fais jamais toucher moi dans le jeu, jamais. Gagnez de l'or ce que vous gagnez. Ok, avec rapidité. Ouais. Je pense que l'XP c'est mieux. Je pense que c'est mieux d'XP, parce que plus d'XP, plus de niveau, plus de pièces, plus de trucs, plus de trucs. C'est bien sûr. Et du coup, là, maintenant, il n'y a pas beaucoup de boss dans le jeu, je crois, hein, en vrai. En vrai, il n'y a pas beaucoup de boss, il en manque plus qu'un après, lui. Raid infini. Dans ce mode, chercher des... Ça, je l'avais déjà vu, ouais. Ça peut être pas mal ça quand même. Hein. Ok, 5 en difficulté. En fait, ouais, il y a que 4 boss. Un par chapitre, ouais. Plus pour toute leur version hard. Ouais. Bon, bah, on va commencer. Ouais, on va commencer. Allez. Allez, on y va. Ah, le 3, c'est pas mal, je pense. Éclater les flibustiens avec une rafale de balles. Ça, c'est pas mal. Hein.
Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment bien, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Salut, moi. C'est quoi le jeu? C'est Flint Hook. Voilà. Flint Hook. Attends, d'ailleurs, je vais replacer vite fait la caméra. Avant que j'aille manger. Ah! Vous voyez. Non, vous voyez pas. D'accord, très bien. Vous voyez pas ce que je fais? Parfait. Vous devriez pas voir ce que je fais. Non, vous voyez pas ce que je fais. Hop! Labyrinthe, c'est mort. Inspection de Firex, on fout. Allez, on va faire difficile. On aime bien quand c'est difficile. Je le répète, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, regardez, il y a les t-shirts de la boutique. Hein. Enfin, non, c'est un pull là, mais. Mais ils existent vraiment! Ah oh, oui, c'est trop bien! Oula! Jeune merde! Jeune merde! Ouais, je fais moins de dégâts quand même. Hein. En vrai. Hein. Ok. Ce que soir, tu nous fais une surprise. Il a jamais un maker en coop avec celle d'elle. Non, tu verras. Tu verras. Si on gère bien, normalement ça devrait être bien. Si on gère mal, normalement ça devrait aussi être bien. C'est ça qui est fou quand même. C'est ça qui est fou. Alors je peux pas prendre de truc d'XP pour l'instant. Je reviendrai peut-être à la fin. Ok. Meurs. Allez. Parfait. C'est bon. T'inquiète mec. J'arrive. Voilà. Alors non, ce sera pas du Rocket League. Mais ce sera la surprise, ce sera la surprise. Je vous promets que c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu et c'est bien. Ah. Ah. Alors merci pour le follow, mon cher, je vais te citer. Je te promets. Là. Mon cher Bibilous, merci beaucoup. Bisous à toi. Ah. Ah. Tu peux arrêter d'être mauvais, merci. Non, c'est bon. Ça servira. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça, mais c'est bizarre. Tiens, on va aller en haut. Parfait. Ah, mais s'il est bien le jeu. Modeste. Il y a limite, c'est pas bien, c'est pas grave, on passera quand même un bon moment.
Non mais bon, celle-là, elle, merci. Je pensais pas que tu passais des si mauvais moments au cas où. Enfin, au cas où. Tu ne prenais pas du plaisir. Ok, donc attends, faut passer. Je ne pensais pas. Oh, waouh! Waouh! Tout ça pour repartir et les reperdre. C'est vraiment, vraiment un cadeau. Hein. Merci le jeu vidéo. Jusqu'aux souffrances. Ouais, c'est bizarre quand même. Pas trop envie. Ah oui, ok. C'est normal que la zone elle dure 20 plombes là. Ah c'est vrai. On dirait que le jeu il est en mode non non mais faut que t'en chies là. Là je veux que t'en chies. J'aimerais bien savoir il était fait avec quel moteur ce jeu. Est-ce que c'est un moteur maison? Est-ce que c'est Unity? Est-ce que ça n'a rien à voir et que je me suis fait toucher gratuitement? Oui. Je pense que ça on peut le dire sans problème. Il y avait deux loots. Désolé, j'aurais dû les valider. My bad, c'est ma faute. Cabinet d'astuces. J'ai déjà oublié le nom du jeu de ce soir, c'est normal, on l'a pas donné. Et merci pour le loot, du coup, l'autre. Merci beaucoup. Tu sais, quand je le donne pas, bah, vous savez pas. Eh ouais, mon gars. Achetez ce jeu. Achetez Fiat Walk. Je vais le répéter. Je regrette d'avoir pris les balles x3 là. Quand même, le jeu il te demande d'avoir un certain doigté quand même. Hein. Parce que si t'essayes juste de enfin si tu n'utilises pas assez ton grappin, il te punit. Hein. Enfin, il te punit indirectement dans les autres dans les autres niveaux quoi. Monsieur ? Ouais, 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 j'ajusterai mon tir et tout, genre. Oui, je joue assez clair, monsieur. Monogame Framework, ok, donc je ne connais pas du tout. Merci.
Parfait. J'ai besoin. Oui, j'ai besoin. J'achète tout. Du coup, là. Après, on va en bas. Ok. Ok. Non mais j'avais bien sauté. Le jeu mal fait. Ok. Pourquoi cette salle gratos? Bizarre. Bon alors je vais d'abord mercenaires et Kings, ouais. On est d'accord que le jeu Mercenary Kings, c'est j'avais déjà posé la question, mais c'est il y a un des mecs qui a travaillé dans le jeu Scott Pilgrim vs Death Ward. On est d'accord. La patte graphique est vraiment beaucoup trop ressemblante. Et ça me... J'en suis sûr d'avoir déjà posé la question. Oui, le graphiste. Merci, Maine. Ok, c'est bon. Parce que je trouvais ça trop stylé. Après Mercenary King, on m'a dit que c'était un jeu du farm. Alors, j'ai pas compris. Je croyais que c'était un Metal Slug-like. Et en fait, non. Du coup, je me sens un peu désappointé. C'est pour ça que j'ai pas acheté. J'ai une portée de poisson rouge. Voilà. Non. Je peux le faire. Pas comme ça déjà. Ouais, de poids, je suis enceinte, ouais. De poisson rouge, du coup, t'es enceinte. J'ai une portée de... Ah, d'accord. Quoi? Quoi? 8, on mange quoi? Ok. J'ai un Metal Slug avec le farm d'un Monster Hunter. Ah ouais, quand même. C'est... Ah ça va, là tu m'as pas vendu le jeu, hein. Je suis désolé mais... Là c'est... Je me sens pas bien. Bon, je commence à me faire au jeu là. C'est bon, je commence à avoir la frame. Puis quand je dis ça, je me prends un coup parce que sinon c'est pas drôle. C'est bon. Prends un manteau, ça, je pense. Faites feu avec une décharge d'énergie lente, mais deux fois plus puissante. Ouah, c'est Megaman! Ah oh, putain, Moa est content. Moa! Vite! Tu joues mal.
Ok. On est bien. Bon, on va voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe quand même. Ouah, c'est marrant comment ça tombe. C'est pas très naturel. Allez, go. On prend tout. Oh, non, je peux pas tout prendre. Bon, bah, je casse tout. Alors, je peux pas tout prendre, je casse tout. J'ai pas assez de pognon. J'ai pas assez de pognon. J'ai pas assez de pognon. Non. J'étais pas revenu dans le premier bateau là pour récupérer. Pour récupérer un truc. Parfait. Non mais t'as bien fait, t'as bien joué, mais pourquoi tu fais ça? You are the chosen one. Enfin, you are the chosen one. Aïe. Bon bah redonne-moi la vie que j'ai perdue. Voilà, merci. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de vous. Oh! De vous faire subir ça. Tu vois les petits crânes sur le mur en bois que sur les bords d'écran, ça signifie qu'il y a une salle secrète. Ah! Il y avait une salle secrète? Et j'ai raté la salle secrète? Parce que parfois je tapais au pif. Tu connais beaucoup le jeu, Mayanara? Tu l'as acheté, achète-le. Je pense que tu dois. Trois tonnes de vie à la première heure. Mais oui, mais en plus tu fais une erreur. Et tu refais une erreur derrière. Et tu refais une erreur derrière. Et tu refais une erreur derrière. Pas de problème. Bim. J'arriverai jamais, hein, je crois. Tu as déjà rachète-le. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi dans Northgard j'en ai autant. J'ai été autant embêté. Hein. Vraiment. Ah, mais pitonner, c'est parfait. Hein. Oui, tu pouvais sûrement acheter. Je pouvais sûrement acheter le truc chez Marchand. Ouah, mais c'est que des gros galions. Trésoria, pario. Bataillon à bord, renfort robuste. Je peux prendre un petit nul. On est là pour. On est là pour la baston. Ah, bah oui, bien sûr, c'est du québécois. Bah, c'est des. Québécois. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une personne qui a travaillé sur le jeu, en tout cas. Enfin, travaillé sur le jeu. Elle a participé en tout cas à l'équipe de développement. Eh bien, elle était chez Gaming Live. Voilà, sachez-le. Petite trivia nulle. C'est toi le gros galion. C'est même pas une blague en plus. On pourrait croire, mais non. Trouver plus d'or lorsque vous cassez les boîtes. Parfait. Alors là, il n'y a pas de truc de tête de mort. Hein. Donc là, ça casse pas. Et non, ce n'était pas jeu. Enfin, ce n'est pas jeu. Ok. Par contre, franchement, ça, c'est nul. Quand je me fais toucher comme ça... Salut, Faust!
peux redescendre, d'accord. Je savais pas que je pouvais redescendre là, ok. Pourquoi pas. Oh non, il a fait... Je l'ai déjà vu faire un live YouTube. Bon, c'est un live YouTube, mais... il est actif, parfois c'est le Reza Sassia. Après, avec tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'il s'est... Il s'est dit... Je vais me faire plus petit. Le pauvre. Mais ça datait pas depuis très longtemps, ce que j'avais vu. Enfin, le live... Le live Facebook. Genre, ça devait dater de moins d'un mois. Oh, t'es sérieux, le jeu vidéo? Oh, attends, c'est pas facile quand même là. Comment tu fais? Non mais attends mec, t'es pas sérieux? Peut-être sur la diagonale, attends. Oh. Alors tout ça pour récupérer la vie que je vais perdre, c'est parti. Très heureux d'avoir été bon sur la moitié du truc. Allez, amène-moi tes potes. Parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Cocu. Hop. Ouf. Je me suis sauvé juste. Mais non, mais je l'ai tapé. Vous êtes nul, monsieur. Si, regarde. Mais faut savoir l'utiliser. Et mine de rien, en fait, ça réduit la vitesse, ta vitesse aussi. J'ai failli applaudir, mais non, bah normal. Hein, moi, j'ai pas applaudi du coup. Bague ajoutée avec collection de reliques. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Quand il y a une nouvelle session de stream sur les jeux rétro. Kit Gamer et Castlevania, c'était cool, ouais. C'était plutôt cool. Quoi que c'est que ça sans importance. Je sais pas quand je refais du rétro, c'est très gentil en tout cas ce que tu me dis Nono, merci beaucoup, merci énormément. Et je ne sais pas quand je referai du jeu rétro, si je refais du jeu rétro ça sera de la Mega Drive, ça c'est sûr, merci pour le usual lurker, pétez lui les jambes, pourquoi, à l'imposteur, c'est pas moi. Mais je ferai de la Mega Drive. Techniquement, je pourrais faire de la Mega Drive dans pas très très longtemps parce que il y a des gros jeux qui vont sortir là cette semaine, donc je pourrais utiliser un jour. Ah, le Alain Poster. En vrai, je pourrais. Hein. Je regarderai dans ma liste. Mais écoute. Je retrouve, je trouve ça cool, donc de toute manière, de base, j'allais pas laisser tomber. Ah bien. Ok, magnifique. Je crois que j'ai eu un truc là, non? Je reprends de la vie, non?
Ouais. Donc là, il n'y a pas... Ah bah, je connais bien la Mega Drive, ouais. Je connais bien la Mega Drive. Alors du coup, tu dois pas ça, tu dois pas savoir, mais ça donne rien de te dire, mais ou peut-être si. Y a un petit moment de cela, mais je suis déjà passé par là, non ? Bah oui. J'ai fait une émission où le but était de terminer tous les jeux de la Mega Drive. Je les ai pas tous terminés, du coup. Malheureusement, l'émission a dû s'arrêter. Mais j'en ai fait près de 250. Alors, bon, j'en ai fait à peu près 200, voilà. 250, peut-être pas. Allez, j'en étais sûr. Donc, Oh, que salaud. Pas envie de reprendre le midi et le soir tu as ce que tu veux. Non, ça. Honnêtement, si tu veux ma totale transparence, ça sur les stats de la chaîne ça baisserait. Ça serait pas intéressant. Et puis ouais, ça serait pas intéressant. Mais dire 10 super bons jeux de la Mega Drive, alors 200, monsieur. Il y en a au moins une cinquantaine de bons jeux. Il y a au moins une cinquantaine de bons jeux. Au moins. Et encore 50. Oui, au moins une cinquantaine. Bref. Et ben Baros, tu arrives parfaitement pour les pubs. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est que t'as de la chance. Du coup, nous, on va s'arrêter là. Moi, je vais vous dire à ce soir avec normalement et potentiellement Celdel et Nimedia pour le jeu surprise. Donc, n'hésitez pas à être là ce soir. On va voir sur les horaires. En tout cas, on va en discuter ça cet après-midi. Je vais vous mettre 2-3 minutes de pub et vous envoyer chez Dova. Mais d'abord, 2-3 minutes de pub, c'est important. Merci en tout cas. Merci de m'avoir supporté sur Northgard. Il faudrait vraiment que je réessaye ou que j'essaye de le faire en off-stream. Mais cette troisième mission, faut que j'y passe parce que le jeu est cool en fait et il me donne envie d'y jouer. Donc bon, bref. Allez, des bisous. Passez une bonne après-midi. Bon appétit à ceux qui vont manger maintenant et à ce soir. Ciao. Au revoir.